Alors, le 124 de Boiron, la coach Claire Lafoscade et Aurore, on est parti. Ça veut pas, hein. Toujours en tête de cette épreuve, Charlotte Muraille avec une note de 91,5. Ensuite, Anaïs avec une note de 86,5. Troisième, Natacha avec une note de 83,5. Quatrième, Dylan Marchand avec une note de 83. Cinquième, Nelly Pugano avec une note de 76,5. À 12h30, un pot sera offert pour tous les participants, les coachs, bien sûr pour tout le monde. Alors, pour Aurore, on est juste honnête, hein. On invite à laisser présager de belles choses. On va dire qu'on était sur un tour plutôt de travail, on a trois contrats non réalisés, on a un manque de régularité dans la cadence, même si on a une on a un manque de régularité dans la cadence. Attention, par contre, Aurore, on compte, on peut être parfois un petit peu dur. C'est bien que le passage devant la tribune vous agace, mais voilà. Mais vraiment, Aurore, bravo, il y a de bonnes choses. On a vu de bonnes réactions, notamment dans la ligne 17, où après ce contrat de foulée non réalisé, hop, on est reparti tout de suite, donc vraiment de bonnes choses. Merci pour ce parcours, dans quelques secondes, la note. On avait un joli parcours, c'est dommage. Merci en tout cas. Allez, dans quelques secondes, on attend un petit peu. Aurore, on va vous donner le départ. C'est le Postar 14, Up Too Much, le centre équestre de Boiron, le coach Claire Lafoscade. Pour la cavalière précédente, une note de 77. On est parti, le départ vous est donné.
de vos classements provisoires. À la première place du classement provisoire, nous avons Juliane Delias avec 80, une note de 82. Suivi à la deuxième place par Romain Trangé avec une note de 80. À la troisième place, nous avons Marie Lavert avec une note de 78,5. À la quatrième place, Elisabeth Delage avec une note de 77. À la cinquième place, Aurélie Coustou avec une note de 77. C'est bon. Donc, à la cinquième place, Estelle Gatineau avec une note de 74. Et à la sixième place, nous avons Tamara Galas avec une note de 71,5. On est arrivé à la fin de ce parcours, c'est très heurté, on a pas mal de fautes au niveau des contrats. Bon, up too much, quand même, c'est pas toujours simple, quand il va composer. Attention, par